La loi de finances pour 2022 introduit un mécanisme temporaire d'amortissement des fonds commerciaux. C'est une mesure qui se justifie par des raisons économiques, consistant à faciliter la reprise d'entreprises dans une période qui est censée être une période de reprise économique. Alors pour comprendre cette mesure, il faut tout d'abord la resituer dans son contexte. Le contexte en matière fiscale, c'est que l'amortissement des actifs détenus par l'entreprise est normalement déductible, ainsi que le prévoit l'article 39.1, deuxièmement du Code général des impôts. Mais cette déductibilité a donné lieu dans le passé à un certain nombre de difficultés s'agissant du cas particulier des fonds de commerce. On sait en effet que d'un point de vue fiscal, pour qu'un actif soit amortissable, il faut que les effets bénéfiques de cet actif sur l'exploitation prennent fin à une date prévisible au moment de l'acquisition de cet actif. Or, en matière de fonds de commerce, ça n'est le plus souvent pas le cas, et c'est pourquoi le Conseil d'État a jugé à plusieurs reprises que l'amortissement des fonds de commerce est impossible, et il l'a jugé dans le cas des fonds commerciaux, à l'occasion d'un avis qu'il a rendu en septembre 2021. Alors c'est pour contrer cet avis, tout en le confirmant d'une certaine façon, que la loi de finances est intervenue. Elle a confirmé cet avis dans la mesure où le Code général des impôts prévoit désormais explicitement que les fonds commerciaux ne peuvent pas donner lieu à un amortissement. Néanmoins, à titre d'exception et de façon temporaire, il est désormais admis que les fonds commerciaux acquis par des entreprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 pourront donner lieu à un amortissement dans des conditions qui sont précisément prévues par la loi de finances pour 2022. Alors, pour comprendre le fonctionnement de ce mécanisme, il est utile de partir de la formulation de la loi qui prévoit que pour que cet amortissement fiscal soit admis, il faut qu'il y ait un amortissement constaté dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux. Au titre des fonds commerciaux, il faut d'abord définir très brièvement ce qu'est un fonds commercial, car cette notion, qui est très proche de la notion de fonds de commerce, n'en est pas absolument synonyme. La notion de fonds de commerce est une notion juridique. La notion de fonds commercial est une notion dont on trouve la transcription, certes dans le code de commerce, mais essentiellement dans le plan comptable général. Et ce que nous dit le plan comptable général à cet égard, c'est que cette notion inclut les éléments incorporels du fonds de commerce qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité. Donc en pratique, on va retrouver dans cette notion de fonds commercial la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial et quelques autres éléments. La deuxième condition pour que l'amortissement fiscal puisse avoir lieu, c'est que cet amortissement ait été préalablement constaté en comptabilité. Si l'on s'intéresse ici à ce que prévoit le plan comptable général, on s'aperçoit que le plan comptable général distingue deux types de situations. La première situation, c'est celle d'une petite entreprise qui est définie par le plan comptable général comme une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants, 6 millions de total de bilan, 6 millions d'euros bien sûr, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 50 salariés. Pour les petites entreprises, le plan comptable général est assez avantageux puisqu'il permet à ces entreprises d'amortir sur 10 ans leurs fonds commerciaux, alors même que la durée prévisible d'exploitation de ces fonds ne peut pas être identifiée. Et pour les autres entreprises, celles qui ne sont pas des petites entreprises, le principe c'est que les fonds commerciaux ne sont pas amortissables, mais s'il est possible d'identifier la durée prévisible d'exploitation de ces fonds, alors, par exception, ces fonds commerciaux sont amortissables. Donc en pratique et compte tenu de la configuration du plan comptable général, la nouvelle mesure concerne essentiellement les petites entreprises, même si à titre accessoire, elle pourra concerner d'autres entreprises. La question qui est intéressante et qui est une question plus technique est celle de savoir comment la nouvelle règle s'articule avec les règles sur les provisions, puisque dans la loi de finances, on trouve là aussi une mesure spécifique qui vient impacter cette fois-ci le traitement des provisions. Le cas qui est envisagé est en fait un cas où une entreprise qui a commencé son plan d'amortissement réalise au cours de la durée de ce plan un test de dépréciation qui révèle que la valeur réelle du fonds commercial est en réalité inférieure à celle à sa valeur nette comptable. Et on sait que dans ce cas, en comptabilité, il est possible de pratiquer une provision pour dépréciation qui vient se cumuler avec l'amortissement ordinairement pratiqué. Cette provision pour dépréciation, elle est normalement déductible, tant en comptabilité qu'en fiscalité. Mais la question se pose de savoir comment cette provision devra être traitée et quelles sont surtout les suites qui vont être accordées par le droit fiscal à cette provision. Alors, d'un point de vue comptable, car la fiscalité, comme d'habitude, ne se conçoit que par référence à la comptabilité, d'un point de vue comptable, la constitution de cette provision
a pour effet de réduire la valeur nette comptable du fonds commercial et en conséquence de réduire les annuités d'amortissement qui seront pratiquées pendant la durée résiduelle de l'amortissement. En matière fiscale, ce qui ressort de la nouvelle loi, c'est que le plan d'amortissement devrait rester identique à ce qu'il est, à ce qui était prévu initialement. Ce qui, d'un point de vue technique, appelle deux opérations. La première, c'est la constitution d'un amortissement dérogatoire qui viendra s'ajouter à l'annuité d'amortissement comptable afin que l'amortissement puisse continuer de se produire. Et d'un autre côté, il va s'opérer une reprise de la provision qui s'opérera par fraction sur la durée résiduelle du plan d'amortissement. Et cette reprise sera identique en pratique à l'annuité d'amortissement dérogatoire qui sera cumulée avec l'amortissement ordinaire. Donc c'est une règle qui n'est pas sans complexité technique, mais qui, on peut l'espérer, produira l'effet économique poursuivi par le législateur.